Bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon dernier module en DIMAC, l'art de frapper les points vitaux. Il s'agit ici du module numéro 7. Je suis Francis Jacquet, expert diplômé d'État en art énergétique chinois. Dans ce nouveau module, vous allez apprendre la suite de la frappe des points vitaux par le biais de l'élément bois, cette fois-ci, dans la loi des 5 éléments. Nous avions vu déjà auparavant l'élément eau, l'élément feu, feu ministre et feu empereur. Ici, il s'agit de l'élément bois, cette fois-ci. Donc, nous commençons avec le méridien visu-pubilien, qui est un viscère yang, qui est lié, toujours dans cette loi des 5 éléments, au méridien du foie, qui est un viscère lié. Alors, comme vous le savez, les viscères sont partagés en deux formes énergétiques. Il y a les organes, qui sont des viscères pleins, et qui servent à stocker, donc yin, et vous avez les viscères creux, les entrailles, qui sont donc d'origine yang. Ainsi, l'équilibre yin et yang est maintenu même au niveau organique. Alors, le foie, lui, qu'est-ce qu'il donne? En énergétique chinoise, il donne la force d'entreprendre la motivation pour un projet avec toutes les capacités qui y sont afférentes. Et elle, la vésicule biliaire, elle est d'une importance capitale car c'est elle qui est la clé, en fait, de démarrage d'un projet. C'est le starter. Du reste, les Chinois disent d'une personne qui a du mal à démarrer une entreprise, à prendre des décisions, à créer un projet rapidement, qu'il a une petite vésicule. Donc cet élément bois, en médecine chinoise, revêt une importance capitale car avec l'organe foie, on a la capacité d'entamer une entreprise quelle qu'elle soit, et elle, la vésicule biliaire, l'entrave yang, en est le starter. C'est pour cela qu'il faut que ces deux viscères soient en parfaite santé, sinon l'individu va passer toute sa vie à pédaler sur place ou à stagner. C'est pour cette raison qu'à la fin de chaque module d'IMAC, je vous donne l'action des points que nous apprenons pour la frappe du côté soigner une pathologie, ce qui vous permet de savoir que tel point possède une action bénéfique pour éliminer une pathologie quelconque ou tout simplement tonifier l'organe ou l'entraille concernée. Vous voyez donc qu'une attaque sur certains des points de ce méridien de la vésicule biliaire va induire une action dégénérative sur la capacité d'expansion énergétique d'un individu. Alors dans ce module, bien entendu, vous reverrez certains des points d'attaque que vous connaissez déjà, mais aussi des points de ce méridien de la vésicule biliaire. Et quand on en frappe dessus, vous allez voir les actions que nous aurons. Mais vous aurez une sacrée surprise dans ce module, car nous verrons une combinaison de 4 points particuliers, écoutez bien, que l'on nomme la combinaison irréversible d'INMAC. Donc vous devinez donc ce que cela provoque de suite. Et aussi une autre attaque de 3 points spécifiques que l'on appelle la triangulation de la vésicule biliaire. Ce qui engendre carrément une inversion du cycle de l'énergie qui crée une dégénérescence du corps dans le temps. C'est la fameuse histoire vraie que j'avais déjà dit dans une vidéo gratuite il y a 5 ans d'un taoïste ayant pratiqué cette méthode sur un jeune maître de kung-fu arrogant et brutal qui après cela fut obligé d'arrêter d'enseigner car il n'avait plus d'énergie. Ce qui fut de nouveau inversé par le taoïste qui le prit comme disciple et rendit ainsi ce jeune maître plus humble de par la correction qu'il avait subie et quant à la richesse et à la connaissance du Wushu. Outre ces deux petits cadeaux qu'il y a dans le module, vous aurez bien entendu, vous trouverez comme à l'accoutumée le trajet du méridien ainsi que sa marée énergétique, le Qigong du méridien avec sa mise en circulation, la frappe avec l'énergie de la vésicule et la frappe bien entendu sur certains points vitaux du méridien avec les effets sur les organes et bien entendu la façon de contrecarrer les effets négatifs des frappes sur ces points. Donc c'est ce que m'appelle l'antidote. Alors bien entendu la combinaison irréversible, un des cadeaux du DIMAC et la méthode de l'inversion du cycle énergétique avec la triangulation de la vésicule biliaire. Et à la fin du module, vous aurez bien entendu les effets bénéfiques sur les guérisons. Comme je l'avais déjà dit précédemment dans certaines autres vidéos, ces points
Andima, on s'en sert pour se défendre, mais c'est une action destructrice, on va dire, sur l'individu. Mais ces points, ces mêmes points ont des actions bénéfiques pour tonifier les organes ou les entrailles, pour libérer certaines blessures, soigner des blessures, libérer les énergies perverses bloquées, soigner certaines pathologies, éliminer des maladies, etc., etc., etc. Et la troisième façon de se servir de ces points-là aussi, c'est au niveau, je dirais, érotique, c'est-à-dire au niveau du sexe, puisqu'on peut s'en servir aussi. Vous voyez, donc ça a trois fonctions spécifiques de ces points-là. Là, nous sommes dans le Dimak. Je répète encore une fois qu'il faut faire très, très, très attention lorsque vous apprenez les techniques qu'il y a dans les modules. Si vous devez les refaire, je donne des conseils dans le module pour faire attention, et surtout ne vous en servez jamais, jamais, jamais à mauvais escient. Mais si vous devez un jour défendre votre vie, ce sera peut-être des bienvenus pour ne serait-ce que stopper une attaque très rapidement. D'accord ? Voilà, et bien si vous avez envie de nous retrouver pour ce septième module, donc pour l'élément bois dans la loi des 5 éléments et en commençant par le méridien de la vésiculaire et certains points dessus, avec les deux petits cadeaux que je vous fais de ces combinaisons d'attaque de points, vous cliquez sur le lien qu'il y a sous la vidéo ou vous avez le même lien en haut à droite sur le petit icône de la fiche. Et on se retrouve de suite dans le module. A très bientôt, merci beaucoup de votre écoute.